Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en forme et bien compagnie. Alors la dernière séance, on a vu, ça veut dire quoi? La continuité dans un espace topologique et dans un espace métrique et la différence entre eux. On a vu la continuité, la caractérisation de la continuité par les suites et la caractérisation de la continuité par les ouverts. On a vu aussi le prolongement. On a vu prolongement par continuité. Après, on a vu, ça veut dire quoi? La Lipschitzienne continuité. Et maintenant, la Lipschitzienne continuité, la relation avec elle, la continuité, quelques exemples. Alors aujourd'hui, on va voir l'uniforme continuité. Alors, ou bien la continuité uniforme, ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, définition. Alors, si j'ai f, une application de E dans f, telle que ça, munie de deux distances, f est uniformement continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme l'uniforme continue dans R. Alors pour tout epsilon strictement positif, il existe état epsilon strictement positif, tel que pour tout x, y appartient à E. Alors si la distance entre x, y est inférieure à état, alors la distance entre f de x, f de y, inférieure à epsilon, tel que cette distance, c'est celle-là. C'est la même chose. Alors, c'est quoi la différence entre la continuité et la continuité uniforme? C'est clair par définition, puisque ici. Alors, si je vais faire un petit rappel, si je vais faire un petit rappel ici, alors f est continu en A. Premièrement, la continuité, c'est une notion locale. Ici, f est continu sur E. Alors, f est uniformement continu. On dit uniformement continu, alors elle n'est pas sur un point, c'est-à-dire elle n'est pas locale. Alors, f est continu en A, c'est-à-dire si seulement si pour toute epsilon strictement supérieur à 0, il existe état. Ce état-là, il dépend de epsilon et dépend de A, strictement positif, tel que si la distance pour tout x appartient à E, la distance entre x et A inférieure à état implique la distance entre f de x et f de A, c'est inférieur à epsilon. Alors, premièrement, n'importe qui s'appartient. Alors, on fixe le A. C'est pour ça qu'on dit que la continuité, c'est une notion locale ou bien ponctuelle. On fixe le A. Après, on prend un état qui dépend de epsilon et de A. Et je prends pour tout x qui appartient à E. Alors, si je contrôle la distance entre x et A, alors je contrôle la distance entre f de x et f de A. Pour tout epsilon, c'est un positif. Mais ici, la continuité uniforme, non. Pourquoi? Premièrement, ce n'est pas une notion locale. Deuxièmement, ici, pour un certain epsilon quelconque, il existe un certain état qui dépend que de epsilon, ne dépend pas de A, c'est que pour tout x, y appartient à E, je peux les contrôler. Je peux les contrôler par ce état-là. Alors, c'est-à-dire, je peux contrôler x, y par ce état, tel que leur distance de leur image est inférieure à epsilon. C'est-à-dire ici, pour tout x, y appartient à E, puisque c'est continu uniforme, puisque l'uniforme, c'est-à-dire, il est uniforme pour tous les valeurs de E. Alors, je peux contrôler toutes les valeurs de E par un certain état. C'est-à-dire toutes les valeurs de E. Ici, pour la continuité en A, non. Alors, pour la continuité en A, je parle que de A. J'ai pas le droit de parler des autres points. Alors, si j'ai la continuité en un point, alors j'ai la continuité partout. Mais ici, la continuité, je parle que d'un point. La continuité uniforme, non. C'est-à-dire, c'est le sup des distances inférieures à état, alors c'est distance inférieure à epsilon. Alors, la différence entre la continuité et la continuité uniforme, c'est très hyper important. Alors, si F est Lipschitzienne, alors nécessairement f est uniformement continu. Uniformement continu. Et si f est uniformement continu, alors f est continu. Alors ici, la Lipschitzienne, c'est la plus forte de l'uniformement continu et la continuité. Alors si vous voulez faire la preuve, c'est la même chose qu'on a fait pour montrer qu'une fonction Lipschitzienne est continue. Si vous n'avez pas vu la vidéo, essayez de voir la vidéo précédente. Alors c'est le même raisonnement. On prend état égal à epsilon sur k et vérifie la chose pour montrer que toute fonction Lipschitzienne est uniformement continue. Eh bien. Alors, ici, la réciproque n'est pas vraie parce que si je prends toujours x carré, alors x carré est continu, il n'est pas uniformement continu, il n'est pas Lipschitzienne. On va voir après pourquoi il n'est pas uniformement continu. Mais avant de voir ça, je vais voir, ou bien je vais vous donner la relation entre l'uniformement, ou bien la caractérisation de la continuité uniforme. Alors, continuité uniforme. Et les suites. Alors c'est très très hyper important de cette propriété, surtout si on travaille dans un espace métrique, c'est plus facile de travailler par les suites. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette propriété? Il dit si j'ai F, toujours une application de E dans F munie de deux distances, c'est-à-dire deux espaces métriques ici. Alors on dit que F est uniformement continu si seulement si, quel que soit AN, N je peux être égal à 1, et PN, N je peux être égal à 1, de suite dans E, tel que la distance entre AN et PN tend vers 0, alors la distance entre F de AN f de Pn, c'est-à-dire c'est une suite aussi tend vers 0. Alors si la suite des distances entre A et Pn tend vers 0, alors nécessairement la suite des distances entre leur image aussi tend vers 0. Alors c'est hyper important ces propriétés. On va essayer de faire une petite preuve. Alors directement, en supposant que f est continu.
supposons que f elle est uniformément continue. Et montrons ça. C'est-à-dire montrons que pour tout epsilon, pour toute suite qui tend vers 0, alors nécessairement, elle est aussi tend vers 0. Alors, soit an et pn de suite, telle que la distance entre an et pn, c'est tend vers 0. Alors la distance ici, c'est une suite, parce que distance des éléments, alors c'est une suite. C'est-à-dire que pour tout epsilon strictement positif, il existe un certain rang appartient à n, tel que si je dépasse ce rang, je vais avoir la distance entre an et pn comme une suite. Cette distance est inférieure à epsilon. Eh bien, or, f est uniformément continue, alors, puisqu'elle est uniformément continue, alors, ça veut dire quoi, uniformément continu? Ça veut dire que pour tout epsilon strictement positif, quel que soit epsilon strictement positif, il existe état strictement positif, tel que si la distance entre A et P est inférieure à epsilon, alors la distance entre F de A et F de P est inférieure à epsilon. Alors, ici, pour montrer cette propriété, j'ai besoin d'une autre feuille. Or, F est uniformément continu, c'est-à-dire pour tout epsilon, et vérifier cette propriété. Très bien. Alors, notre but, c'est de montrer que celui-là, c'est pas envers 0. C'est-à-dire de montrer que pour un certain rang, celui-là, c'est inférieur à epsilon. Celui-là. Alors, soit epsilon strictement positif. Alors, soit epsilon strictement positif, fixé. Alors, d'après, puisque l'uniforme continue, alors il existe un état strictement positif, tel que si la distance entre x et y, tel que ici, quel que soit x et y appartient à E, x et y inférieur à état, alors la distance entre f de x et f de y, c'est inférieur à epsilon. Très bien. Alors, on a la distance entre an et pn comme une suite, ça tend vers 0. Alors, pour tout epsilon strictement positif, il existe un certain rang tel que ça inférieur à epsilon. Or, on a déjà fixé le epsilon, on a déjà un certain état. Alors, je vais prendre le epsilon, ça c'est le état ici. Alors, pour état strictement positif, il existe un rang appartient à n, tel que si je dépasse ce rang, je vais avoir la distance entre an et pn, c'est inférieur à état. Alors, puisque c'est inférieur à état, alors je suis ici. Alors, puisque l'uniformement continue, je peux conclure ça. Alors, la distance entre f de an, f de pn, inférieur à epsilon. D'où, on peut conclure que la distance f de an, f de pn, en comme une suite, tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, parce que c'est inférieur à epsilon, quel que soit epsilon serait compositif. On peut prendre par exemple epsilon égale à 1 sur n, ça fait l'affaire. Eh bien, maintenant on va voir la réciproque. Alors, réciproquement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, moi, supposons que, quel que soit an, pn, de suite, inclus dans E, si la distance entre an et pn tend vers 0, alors la distance entre f de an, f de pn tend vers 0, comme des suites, et je peux être égal à 1. Alors, et montrons que f est uniformément continu. Montrons que f est uniformément continu. C'est-à-dire, montrons que, pour tout epsilon strictement positif, il existe état strictement positif, tel que pour tout x, y appartient à E, alors si la distance entre x, y inférieure à état, alors la distance entre f de x et f de y inférieure à epsilon. Eh bien, alors par absurde, on va travailler par absurde. Alors on va supposer par absurde que c'est pas vrai, que f n'est pas uniformément continu. Eh bien, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la négation de celle-là. C'est-à-dire il existe epsilon strictement positif, tel que quel que soit état strictement positif, il existe x, y, puisque il existe y ici avant état, c'est-à-dire dépend de état, appartient à E, dès que la distance entre x état, y état inférieur à état, et la distance entre f de x état, f de y état, strictement supérieure à epsilon. Alors, il existe epsilon strictement positif, quel que soit état, puisque on peut choisir le état qu'on veut, alors je vais prendre état égal à n. Alors, quel que soit état strictement positif, il existe xn, yn, tel que si la distance entre xn, yn est inférieure à état, si la distance entre xn est inférieure à état, tel que état, celui-là, c'est-à-dire que cette limite tend vers 0, alors on a celui-là strictement supérieur à epsilon. Alors, je peux prendre, alors puisque supérieur strictement à epsilon, alors je vais prendre état, non pas n. Si je prends état égal à n, alors je vais avoir celui-là inférieur à n, non. Alors, je vais prendre état égal à 1 sur 2 à la puissance n. Alors, si je prends état égal à 1 sur 2 à la puissance n, alors x, y, n, tel que la distance entre x, y, n égale à, inférieur égal à 1 sur état, c'est-à-dire, d'après ici, lorsqu'on tend vers plus l'infini, celui-là tend vers 0. Alors, ça, elle tend vers 0. Mais celui-là, elle ne tend pas vers 0 parce que c'est inférieur supérieur strictement à epsilon. C'est-à-dire, ça ne tend pas vers 0. C'est-à-dire, c'est absurde parce que par hypothèse, pour ceux de suite dont E qui tend vers 0, alors, serment, ça tend vers 0. Alors, c'est absurde. Alors, non. Très bien. Alors, maintenant, on va voir. Vous avez compris un petit peu, ça veut dire quoi l'uniformement continu et la caractérisation par les suites, c'est très important, surtout dans un espace métrique. La prochaine séance, on va avoir des exercices. Merci, au revoir.